Et bienvenue un peu plus de Returnal. Je sais pas pourquoi on commence comme ça. Je me rappelle plus ce qu'on avait fait la dernière fois. On avait fait la tour. Pas où on sort. Non. On avait fait la tour. Et on avait découvert des petites choses dans la tour. Par rapport à elle. Donc elle aurait survécu son crash. Mais elle est blessée à la colonne apparemment. Donc on va essayer d'en apprendre un peu plus. Ça fait un petit moment que j'ai pas joué, je vais être honnête, donc on va voir. 1, 2 et 3, on est bon. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? De toute façon, il n'y a pas grand chose à faire dans le jeu. C'est parti! On retourne à la tour. Ah oui, c'est parce que quand on sort, ça finit notre cycle, en fait. Ouais. Donc, la dernière fois, on avait récupéré deux coquelicots, je crois bien. Attendez, on va regarder ça. Deux coquelicots... Non, c'est dans état. Ouais, dans état. Ouais, deux, donc il en reste au moins... 1, 2, 3, 4. Donc, au moins 4. Par contre, on va peut-être pas... On va peut-être pas faire des cycles qui durent 3 plombes non plus. Parce que ça risque de vite me gaver quand même. Je vais être honnête, là maintenant je joue vraiment pour ça, connaître l'histoire. C'est vraiment ça. Là normalement il n'y a rien de nouveau. On va juste regarder au cas où, mais normalement il n'y a rien. Ouais, on est bon. On est bon. Plus que quelques fleurs. Plus que quelques fleurs, même elle, elle le dit. Comment on fait les coups d'épée? Ok, c'est comme ça. Ah oui, non, ou ok, ça marche. Je me rappelle plus de rien. Plus de rien. Alors, le disperseur. Ouais. Je me rappelle plus vraiment quand on a récupéré un coquelicot la dernière fois. Ah, oh, salope. Le truc qui m'a balancé les lasers sur moi, quoi, c'est ouf. Genre, il m'a balancé le truc sur ma gueule. Intéressant. Ah oh. Cool. Cool, cool, cool. Pourquoi pas. Ramasser une résine qu'on fait un bouclier. C'est top ça. Par contre, ça fait quoi mon arme? Ah oui, le brise bouclier, ok. On a gagné une. Je vais être honnête, on a un peu une arme de merde.
Ah oui, c'est vrai qu'on a en version auto. Je peux rester appuyé en fait. Là, il n'y a rien. Très bien, ça c'est un bouclier. Un soin, c'est bête. C'est bête parce qu'on pourrait augmenter notre vie. Je pense qu'on va galérer. Vivement qu'on trouve une nouvelle arme parce que là... je galère un peu. Enfin, non, c'est moi, je devrais viser un peu plus les points faibles en fait. C'est moi qui fais un peu de la merde, j'ai envie de dire. Pourquoi j'ai pas pris le truc par terre? Elle court tellement vite qu'on peut rattraper les lasers si on est trop proche du centre. Okay, très bien. Non, on va garder ça pour la porte. Ah! Ouais, ça devrait être plus fun. Nickel. Nickel, nickel. ~75 on le fait. Ouais. La première fois, genre quand c'est 75 on peut le faire parce que ça donne quand même des bons trucs. Ouh, ça doit être deux ça, ouais. Deux emplacements, cool. Oh, tu m'as touché. Sérieux, tu m'as touché? Pour l'instant, pas de coquelicot. M'embête un peu. Peut-être après le premier boss. Hein. Ouais, ça passe. C'est à moi. D'abord, on va faire la tour parce que c'est la merde. Ok, très bien. Ok. Faut que je regarde ce qu'elle fait, l'arme, parce que j'ai pas compris. J'ai plus l'habitude. La mine de proximité, d'accord. Ouais, normalement on a des coquelicots là, enfin on en a trouvé je crois. On va
apparemment pas maintenant, mais... Ah, j'espère qu'on va avoir un coquelicot assez rapidement, honnêtement. J'ai pas envie que ça dure 3 plombes. Alors... Des dégâts. Je n'ai point trop envie que ça dure 3 plombes. Oh, pardon. Alors, pacte. Alors, gueule large. Toi, t'es quoi? Toi, t'es le... Ouais, la requête, mais t'es pas la version auto, donc c'est un peu relou. J'ai réussi à retirer une requête guidée supplémentaire, aimant. Ouais. Et là, c'est quoi? Donc, du coup, t'as pas le tir spécial, en fait. Je dirais pas non au lance-requête. Il y a la visée mortelle. Je sais pas si ça va être très utile en fait. Non, je pense qu'on va rester sur ça. Il a le tir de loin en fait, le tir laser là. D'accord. On peut retourner. Miser. Quoi ça? Lanceur pyro. Je crois qu'on va rester avec le lanceur. Brise bouclier, ça c'est bien. Fusée à tête chargée et projectile rebondissant. Ouais. Ça nous permet de nous balader. Il y a la démo de Wulong qui vient de sortir, j'en ai fait un peu. C'est sympa, sympa. Je conseille d'aller tester la démo en tout cas. Surcharge réussie, réduit le délai, non. Un coup supplémentaire peut être encaissé en... Oui, ça peut être bien. Apparemment, il y a plein de gens qui n'y arrivent pas, ça me fait marrer. Aïe, aïe, aïe. Enfin, pas dans le mauvais sens, mais des gens qui veulent genre pas écouter... on leur donne des conseils et tout, c'est ça le pire. Ah, oh, moi j'ai fini Elden Ring, je devrais y arriver. Ouais, non, mais c'est pas le même jeu du tout. Genre Wulong, c'est même pas pareil que Nioh, alors... non, c'est pas obligé. On peut monter, ouais. Donc ça me fait marrer les gens qui s'énervent dessus et qui... Enfin bref. Mais ouais, c'est très différent d'un Nioh. Donc je conseille de tester si vous pouvez avant d'acheter. Le pistolet tir chargé, on n'a jamais testé. Enfin le pistolet, je le largue à chaque fois. Hein. Mais le tir chargé, les projectiles doivent être chargés mais ils sont plus puissants. Je sais pas si c'est vraiment ça vaut le coup. Hein. Je sais pas du tout si ça vaut le coup. Moi j'aime pas vraiment. Après il faudrait l'augmenter aussi pour qu'on débloque les choses quoi, pour voir un peu ce que ça peut donner, mais je suis pas certain. Pas certain que ça soit bien. Du coup j'ai récupéré quoi moi? Attends, j'ai pris deux os. J'ai fait de la merde. Pourquoi j'ai pris... J'avais utilisé mes objets? Bon bref, la prochaine fois je ferai un peu plus attention à ce que je fais.
Parce que là, je sais pas. Chance de se faire renverser par des attaques lourdes, ça peut être intéressant. Puissance de vacillement par parasite. Oui, ça oui, parce qu'on va avoir des parasites. Et on est obligé d'avoir des parasites. Donc on va prendre ça. J'ai vu qu'il y avait un glyphe au centre aussi. Encore une fois, on a pris le mauvais truc. C'est beau. Non, c'est un pistolet. Je voulais le prendre et après aller dans les options là pour regarder ce que c'était. Alors. Ah, le déchiqueteur. C'est vrai qu'il fait très mal lui, mais bon. Le projectile cherche des cibles supplémentaires après avoir touché la cible. Initial. Mais on l'avait pas débloqué ça? J'ai bien envie de le prendre. Ah non, honnêtement, ça va être une catastrophe. Quand vous êtes immobile, les dégâts sont amoindris, ça va. J'aime beaucoup le gameplay de Returnal au final. C'est vrai que c'est assez plaisant de jouer comme ça, genre super rapidement et tout. Oh, oh, oh! Un pétale. Yes! Donc après le premier boss, possiblement. Est-ce que ça suffira? Possiblement après le premier boss, donc on peut théoriquement mourir. Honnêtement, je suis en train de me demander, moi, si ça vaut le coup de mourir ou pas. Je continue d'échouer, de tomber. Je ne peux atteindre les nuages. Les murs se fissurent, le ciel s'ouvre et je suis renvoyé. Cette tour, ce lieu terrible, qui se déforme et s'étend vers l'infini, qui se transforme. En quelque chose d'organique, de vivant, et qui me regarde monter. Oh, je ne veux plus y retourner. Ah, mais j'avais un quatrième objet, vous avez vu? Je sais pas si c'est un bug ou pas. Mais les deux objets que j'ai pris là, à un moment quand j'ai dit je devrais regarder ce que j'ai fait là, bah en fait c'était deux soins. Vous voyez, maintenant je les ai parce que j'ai vidé mes boucliers. Très bizarre. Je sais pas si c'est un bug ou pas, le fait de des fois d'avoir un quatrième objet mais que vous pouvez pas voir. Très très bizarre. Ouais, maintenant j'ai les deux soins disponibles. Mais bon. C'est bizarre. Donc ouais, du coup, je sais pas, qu'est-ce qu'on fait? On combat ou pas? Je sais pas. Ou on se suicide. Pas trop mourir pour mourir, mais bon, si ça dure aussi encore 3 heures, bon. Pas vraiment. Pas vraiment bien, quoi. Alors, la traque est vidée, on va le prendre. En plus, il y a Shrapnel qui est bientôt fini. Shrapnel.
Ah putain, tu m'as... Ok, t'es méga rapide apparemment. Nickel. Qu'est-ce que j'ai moi comme tir secondaire? Putain, à chaque fois je... Mais honnêtement, les... je trouve que les icônes sont très mal faites. Chaque fois je sais jamais ce que c'est. Je crois que ça c'est le tir de sniper. Là. Par contre, je veux juste voir l'arme qui est au sol. Ah, mais c'est un pistolet, non. Ouais, ça c'est. Oui, le tir de sniper. Il devrait le mettre le nom en dessous au lieu de mettre tir secondaire. Par où on passe maintenant? Par là. Et après je vais où? Ah oh. Mais comment je fais? Ah là je choisis. Ou de la maîtrise ou de la vie. On va prendre la vie. J'imagine que je peux pas sauter. Merde, putain, mais je saute. Je sprintais même pas, quoi. Ah, on a un enregistrement, cool. Le crash. Je reviens toujours au crash. Le moment de la création. La mienne et la sienne. Brisées, toutes les deux. Séparées. À la recherche de rédemption. À la recherche du pardon. Mais incapable de le demander. Des fois, il y a deux voix. On dirait qu'en fait, qu'elle dit ce qu'elle entend. Genre, elle sait ce qu'elle va dire. J'ai remarqué ça. Merde, mais encore un. Il m'a touché ce coup. La puanteur insupportable des cadavres. Mes cadavres. J'en sens le goût. Les morts me regardent. J'entends leur voix qui me provoque. Célène, Célène, Célène. Oh, je veux que ça cesse. Voilà, là, on est abonné au pistolet, apparemment. Alors, là, c'est pourquoi ? Ouais, un coffre. Mal. Il est où le téléporteur? Let's go!
Non, on a des tours. Ah, ce que je voulais faire, mais j'arrête pas de tomber. Qu'est-ce qu'il est puissant. Ah, il y avait une arme par terre, ouais, c'est pas grave. Qu'est-ce qu'il est puissant, le laser portail, machin, là. Non, on va moins rire, par contre. Ok, très bien. Je les aime pas ceux-là, hein. Manipulateur laser d'énergie. J'ai même pas regardé ce que ça faisait. Attendez. Il faut que je regarde quand même ce que ça fait. Manipulateur. Si la consommation augmente brièvement la protection 10%. Ok, cool. C'est bien ça. Alors. On peut prendre celui-là. Augmente le dégât des armes 10% tant qu'il y a un dysfonctionnement. C'est le moins cher. Enfin, je peux prendre les deux, je crois. L'autre, c'est 300. Non, 350. Alors... Ouais, j'aime pas du tout, quand même. Ce mirage des bombes miniatures quand il meurt... C'est quand même beaucoup de différence. On va prendre celle-là, parce que ça, je... Pression de la lame, à toi, la chambre. Obus explosif, c'est pas mal. Ouais, bon, on va faire ça. Et peut-être qu'on pourra voir ce que c'est l'impulsion, là, quand on tape. Parce que c'est vrai qu'on n'a jamais testé. Bien joué. Voilà, on fait de la merde. On a une nouvelle arme, ça y est, on fait de la merde. C'est ouf, hein. Et en plus, il y avait trois monstres, quoi. C'est ouf. Il y a rien du tout. Quasiment rien. Ah oui, par contre, j'ai fait de la merde. Ça. Très bien. Ah bah du coup on va faire comme ça, bouclier. Ah oui, c'est vrai que j'ai un protection. Bon, c'est pas grave, on va combattre directement. Et ouais, j'ai bloqué les tours. Quoi ça? Attends, l'effroi avec quoi? Ouais, mais ça c'est chiant quand les trucs volent.
nickel. Bon, ça a l'air de faire de gros dégâts quand même. Attends, là ça m'intéresse. Et c'est un tracker, bon c'est pas le top. J'ai la tête chercheuse niveau 3, c'est bien. On sait toujours pas ce que ça fait en fait, les niveaux 1, 2 et 3, la différence. La chambre à grenier, projection auxiliaire et projection rebondissant. Ouais, on va le prendre sur. Non, 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 non. Teubé. On a toujours pas eu de parasite. C'est quoi ça? Ok. Bah les parasites seront bien. Se passe bien. Ah voilà. Taux de maîtrise 20%, non. Réduit le coût des objets de 30% puis se détache, prendre une défense en détachant. Même ça m'embête en fait. On va prendre celui-là. Algodermion étincelant. Très bien. On va aller au centre. Parce qu'il y a potentiellement un glyphe en fait. Ou pas du tout. Non, pas cette fois. Donc ouais. Ah par contre on a une arme au centre. Intéressant. Ouais, non, il n'y a pas de glyphe cette fois. Putain de merde. De la merde.
J'ai un peu l'habitude du dash, en fait, parce que j'ai joué à Atomic Hearts récemment. Et il y a deux dash, en fait, une fois que vous l'améliorez. Et j'ai un peu le réflexe en me disant que je vais pouvoir esquiver une deuxième fois, mais en fait, non. Donc, je crois qu'il y a ça qui me bloque un peu, des fois. Alors, le senseur thermo en automatique. Ah, en automatique... 2... Ouais. Bon, par contre, la capsule de vrille, c'est un peu de la merde, mais... Ah mais c'est le boss. Aïe. On va voir si on a un coquelicot après celui-là. Ah le rechargement il est horrible. Oh il est mort. Eh, ça marche bien, oh. C'est tellement le début d'une musique de Rammstein, ça. Ah ouais, non, mais tu perds beaucoup de vie, en fait. Ouais, on est emmerdé. On est remerdé. Bon, est-ce qu'il y a un coquelicot? Non. Donc en théorie, je pense qu'on peut se suicider, honnêtement. On n'a pas besoin de continuer. Qu'est-ce qu'on fait? Enfin, se suicider, non, on peut tout simplement redémarrer le cycle. On peut redémarrer le cycle. Ça va, il est sympa le truc. C'est juste faire vaciller des ennemis, c'est pas compliqué. Ça marche avec ça, d'accord. Ouais, non. Non, mais on va faire ça, hein. On va recommencer le cycle. Ouais, on est au pied de la tour. Donc on a un nouveau coquelicot. Maintenant, on peut aller le voir. On peut aller voir ce que ça fait. Alors, je me rappelle qu'on avait vu la boule au centre. On avait vu les dessins. Ah oui, les dessins risquent de changer. Ça, on l'avait vu. Ouais, on va faire comme ça. Ça ira plus vite. Ouh, il y a une lumière maintenant à l'ascenseur. Ah, il n'y a plus les dessins. Oh, merde, j'ai pas vu. Il y avait un truc ou pas? Je crois pas. Ok, maintenant c'est normal. Là maintenant il y a trois fleurs. Très bien. Encore un essai. Encore deux voire trois en fait. Est-ce qu'on l'avait lu ça?
Non, c'est un nouveau. Petite fille a entendu une voix... quoi ? Une voix empreinte de peine, appelant depuis les arbres, mais elle eut beau courir à toute allure, elle n'en vit jamais la figure. Quand elle rentra chez elle, c'était une femme nouvelle. Elle l'observa la nuit et pense à haute voix. Je vais m'envoler de là où le soleil chatoie. D'accord. Triste, mais de belles images. Je suis pas sûr que ce soit beau, mais... Ouais, ok, on peut repartir. Attends, fais voir l'ascenseur. Okay. C'est marrant parce que dans le jeu, ils ont... Alors, comme j'ai dit, moi, ça me frustre de pas vraiment avoir une vraie fin. Mais ils ont laissé honnêtement énormément d'indices. Oh. Pour les bébés, ça. Mais c'était dur. Si dur. Était-ce pareil pour mère ? Il y a aussi un truc avec son enfant, apparemment. Il n'y a rien d'autre que... mais ouais, ils ont laissé tellement d'indices et de petits morceaux à trouver que bah, ça en devient une... Genre une intrigue policière, quoi. On veut vraiment avoir les petits indices pour découvrir la suite. Ouais, c'est marrant. C'est bien fait, au final. J'aime bien. Je pense que, vu comment elle avait réagi dans la voiture, là, elle avait l'air un peu de s'en foutre, en fait, de son gosse. Mais bon, peut-être qu'elle avait une mauvaise journée, hein, ça arrive aussi, hein. Mais J'y suis presque. Putain, je fais de la merde. J'ai un truc sur l'autre côté aussi. Mais je suis en train de me demander. Parce que elle a apparemment. Ah, c'est une mine qu'on a. Élevé du coup son enfant seul et apparemment c'était pas facile. Et j'ai du mal à faire les bonnes phrases que je veux. Et apparemment donc sa mère aurait fait pareil, aurait eu le même problème, genre un père absent quoi. Oh là là, l'alarme horrible pour ce mode de jeu, quoi. Bon, on a juste à passer le premier boss. En théorie. Enfin, on a juste à continuer jusqu'à ce qu'on récupère... Jusqu'à ce qu'on récupère un coquelicot. Non, bon, ça va. C'est pas efficace.
J'espère que ça va toujours être... après le premier boss, parce que... Oh, il y a un écho. Un enregistrement. Cette tour est un lieu de ténèbres. Des ténèbres qui observent. Des yeux pourpres. Cette ascension, elle promet tout. Mais ne fait que prendre. Eh ben... Ah, je fais n'importe quoi. J'ai cru que j'avais pris le soin. Apparemment, non. Nul. Non, on peut voir. Fabrication. Mais c'est les mêmes. Bon, on peut prendre les deux. Ah, mais non, oui, non. J'ai rien dit. Bah, attends, du coup, on peut en vendre un. Attendez, on va zapper ça. Et ça va, quoi. Que je fasse quand même un peu attention. Et sinon, on va peut-être même pas y arriver au premier boss. Ne pas prendre un soin, c'est un peu con quand même. Juste parce qu'on va trop vite. La veilleuse cassée. Intégrité, on s'en fiche parce que ça monte assez vite. Alors là, on a le lanceur. Ouais. Très bien. Ouais, non. Pas envie de m'embêter à faire un truc qui charge. Dégâts des uns, des dégâts. Très bien. Les ennemis ont une chance de lâcher de la résine, ces étages pour avoir subi 3 coups. Ah! Putain, c'est pas mal ces trucs là, là. Ah, attends, je pourrais enlever le mien. Moi, il fait quoi? Ah oui, moi, c'est moins cher. Bah, si les ennemis ont une chance de lâcher plus de résine, c'est intéressant. Mais bon, oui, bon, après, 3 coups et c'est fini, quoi. Mais bon.
intéressant. J'imagine que lui, je peux pas le prendre. Ouais. Garder ça, sinon ça va m'énerver. C'est quoi ça? Allez, on va prendre ça. Ah! Ouais. Je sais pas. On va prendre comme ça. Je sais pas. On a une clé, yes. On en a même deux. Ah, du coup, on a loupé. Ah oui, mais non, non, c'est la salle où il faut tomber en fait. Ouais, on peut pas. Tâche de chercher paradis augmente l'intégrité max, pas intéressant. Augmente les dégâts des armes 5% toutes les 200, ouais. On a l'épée. Premier boss. Déchiquette. Le truc, c'est qu'il a beaucoup de dégâts en fait comparé à ce qu'on a. Ça m'embête. Ouais, allez, on va le prendre. C'est une connerie, hein. Ouais, c'est bien de la merde. C'est bien de la merde. Ah, dis-moi qu'il y a un coquelicot. Non. Il faut jouer encore un peu, je sais pas.
rejoindre. Les gars. Ah. Un enregistrement. J'ai fait l'offrande, le don, un sacrifice des vivants pour les morts. Je me suis repenti devant cet autel stérile. Dedans, derrière, un cri, un chant de rage et de ressentiment. Encore, l'ascension, la chute, l'ascension, rampe entre les écharpes de ténèbres et la chair difforme. Et putain, elle pète un câble. Bon après, c'est normal, hein. Mais c'est rare de l'entendre comme ça aussi. Aussi folle. Oh! Et de quatre. Assez pour remplir un vase. Assez pour en faire un bouquet. T'es sûr de ce que tu dis? Non. Non, non, il en manque encore deux. Bon, bah, du coup, on peut partir. On va finir ça. En plus, j'ai pris une arme de merde, c'est bien. Ouais, on va partir. Alors, relancer le cycle. Relancer le cycle. Et on aura encore deux à récupérer normalement. Les fleurs. Elles ont peut-être fait quelque chose. Peut-être. Ok, pour l'instant. On va regarder le journal à gauche, là, s'il parle de plus de détails, s'il donne plus de détails sur, sur son cas. Alors. Là, c'est acceptable. Plus. Elle en veut plus. Eh ouais. Mais moi aussi. Chambre d'isolation. Intéressant. Ça y était ça, on l'avait lu ou pas? Alors, patient Vassos. Ah, ils mettent pas le nom. Hôpital mémorial de Zahariel. Rapport de kinésithérapie. Ah oui, la kinésithérapie parce que elle a sa... elle a pas une scoliose, j'allais dire une scoliose. Elle a sa colonne vertébrale qui est défoncée. Blessure, fracture multiple importante de la colonne vertébrale. Usage partiellement ou totalement impossible des jambes. Cause, impact en véhicule à grande vitesse. Blessure aggravée par ses tentatives pour libérer les passagers. Donc, oui, non, c'est elle. Progression, il est difficile de convaincre madame, mademoiselle Vassos de poursuivre sa physiothérapie. Elle est distante, irritable et réticente à discuter de ses blessures et de sa guérison. Elle le camoufle bien, mais il est évident qu'elle souffre beaucoup malgré les médicaments. Attends, il y a encore. Oh, il y a encore. Comment, si l'on ajoute que cela le traumatise d'avoir perdu sa mobilité et de l'interruption de sa carrière, on comprend mieux son repli sur elle-même. Cependant, tous les patients qui se trouvent dans des situations similaires ne réagissent pas de cette façon. Il est difficile d'expliquer pourquoi la patiente ne cherche même pas à améliorer sa qualité de vie. Compte tenu de cette résistance, de la patience au
patient, pardon, au concept même de thérapie physique. Je ne sais pas comment procéder pour la suite. Mon avis est qu'aucune aide ne sera utile. Pour l'heure, à mon grand regret, je ne peux que recommander sa sortie de l'hôpital. Sa sortie ? Bah oui, enfin oui, ils peuvent pas la garder éternellement, mais... Non, mais ça, c'est Selene, hein, c'est pas sa mère. Hein. Elle pense que c'est sa mère, mais c'est elle. Hein. Ça, on l'avait vu, ça. C'est le même. Ouais. Il y a un truc aussi, à un moment, ils disent... dans le, ce qu'on vient de lire, là. Ils disent elle a été percutée... Enfin, à cause de la... De l'accident et tout ça. Genre, elle a des côtes brisées, machin et tout. Sur le coup, je me dis, mais mince, du coup, ça serait vraiment elle dans le, l'habit de cosmonaute. Mais en fait, non, après, ils disent que c'est parce qu'elle a essayé de sauver les patients, en fait. Pardon, les passagers. Donc, oui, son fils, quoi. Mais ce qui est intéressant, c'est que du coup, elle est consciente. Elle serait consciente, du coup. Parce que s'ils peuvent la renvoyer chez elle... C'est bizarre. Après, ils ont dit qu'elle ne pourra plus exercer ses fonctions, mais ils disent pas qu'elle travaille dans l'aérospatiale. Hein. C'est comme ça qu'on dit. Je sais plus le mot qu'ils avaient employé. Mais ils disent pas que voilà, elle travaille dans l'espace et tout, donc enfin dans les fusées et tout. Donc ça peut être n'importe quoi. Donc elle aurait perdu l'usage de ses jambes et tout. Oh, c'est chaud quand même. Mais ouais, c'est assez bizarre de parler comme si elle était consciente. Parce que pour moi, elle devrait être dans le coma. Ça expliquerait pourquoi elle, bah pourquoi il y a des cycles qui reviennent et tout. Et que bah voilà quoi. Genre elle imagine tout ça. Mais là du coup, si elle est consciente... Bah, j'espère qu'ils ont pas merdé sur les indices en fait, parce que là ça fait un peu con. C'est quoi l'arme? Ouais non mais c'est relou ça. Enfin, honnêtement on fait pas de dégâts. On va garder ça. Mais dis-moi, c'est de la merde! Enfin, après, les trucs sont morts, donc bon, c'est peut-être pas de la merde, mais... pas vraiment le plus efficace, quoi.
Ah, mais attends, il y a plein de trucs là. Non, ça va, ça. Ouais, c'est juste que c'est pas des dégâts directs en fait. C'est un gros, gros dot. Ah, mais il a zéro aussi en dégâts, quoi. C'est ouf. On va rester au pistolet. Merde. Je vais aller récupérer à tout prix les pièces, mais voilà. Non. Je préfère encore le flingue pourri. On a une clé. Les dégâts mais sont pourris d'une force quoi. Puis on a une boule. Après, je vais être honnête, ça m'embête quand même de devoir tout refaire à chaque fois, là. Je voudrais vraiment arriver à la fin. Parce que je commence à fatiguer, en fait. Je commence un peu à fatiguer du jeu. Là, on a fait... Il nous reste que deux coquelicots à faire. Non, trois. Enfin, trois, je crois. Non, c'est deux ou trois. Deux. Bien. Allez, encore une petite heure, on a fini, je pense. On va prendre ça. Une petite heure et on a fini. Quoique là, c'est peut-être le boss, là, non? Non, pas encore. Dégâts des armes. Très bien, deux clés. Deux clés passent partout, on a deux clés.
Ça c'est pute. Putain. Non. Non. Ah, c'est là le boss. Non. Je sais pas. J'arrive pas. J'arrive pas à savoir. Après dire. Alors, on va aller là. Okay. Ouais. Ah, le glyphe, il est là. C'est pas mal ça. 30% de dégâts en plus quand les ennemis sont bas en vie. Ça, c'est cool pour ce type de truc. Waouh, eh bien, on a la version... La version bien bourrine là. Ah, on avait le... Merde. J'avais pas vu. Ah, boss. Oh, le lanceur thermo, ouais mais c'est encore pas... Pression rapide, gueule large, automatique. Ouais, on va le prendre parce qu'il fait mal. Ok, on est pas mal. Ok, donc en théorie, maintenant, on devrait trouver un coquelicot quelque part. Alors. Je pense le dégât des armes. Je vais peut-être prendre un soin, c'est que 50. Encore une clé, mais on gardera ça pour une porte. Vivement qu'on ait la version automatique, parce que là.
Allez, tombe. Ouais, vivement la version automatique des tirs là, parce que putain, c'est vraiment une catastrophe. Hein. On va rester avec ça. Ok, toujours pas de coquelicot. Je fais de la merde. Non, non, non! C'est tombé. J'ai fait ça parce que au lance-roquette, c'est une catastrophe, cela. Bientôt l'automatique. Ah, c'est grindé pour connaître l'histoire, hein, ça me rend fou. Mais bon, en tout cas, encore heureux qu'on peut reset le run à chaque fois, hein, le cycle. Hein, parce que, oh la vache. Ah, j'aurais dû prendre... Ouais, j'en sais rien, c'est pas grave, pareil. Ouais, du pareil au même. Bordel. C'est que des trucs qui volent. C'est relou. On a automatique, ça y est. Oh mon dieu, qu'est-ce que j'aime ce truc. Attends. Ça c'est quoi? C'est un bouclier. Ok. Bouclier. Oh. La combinaison me protège, mais elle m'ôte. Le doux frôlement des fleurs au bout de mes doigts. La résistance des touches du piano. Oh, le soleil du matin sur mon visage. La chaleur d'une autre peau contre la mienne. Un jour... Elle serait pas en train de faire référence... Alors après là c'est un peu ça va un peu loin, mais genre elle part de la combinaison, bah oui on peut le prendre au sens littéral, donc c'est sa combinaison genre maintenant, mais est-ce que ça serait pas je sais pas, genre vu qu'elle est en réhabilitation. Rien.
font chier hein, tous les boucliers. Hein. C'est une horreur. Voilà. Genre, je sais pas. Genre, elle a un corset peut-être. Un truc comme ça, j'en sais rien. Parce que elle est. Parce qu'elle a une blessure à la colonne, tu vois, quelque chose comme ça. Peut-être qu'elle fait référence à ça. Dans un sens aussi, je sais pas. Ça se peut, hein. Immunité contre le ralentissement. Oh, yes! Je me disais, ça prenait un peu de temps, là. Bon, c'est bon, on peut recommencer. Ok, donc... Il nous en reste plus qu'un. Donc on va faire ça, recommencer le cycle, oui. Ouf! Ah, je suis content, on avance. Et après, une fois qu'on aura fini ça, hein, ça sera la fin de... Enfin, en tout cas pour moi, ça sera la fin de... Returnal, je pense. Je pense plus y jouer après ça, honnêtement. À moins de faire de la coop avec quelqu'un qui y joue, mais c'est tout. Je pense plus y retoucher. Alors là, donc. Ah, on a ça. Alors. Ah oui, non, ça c'est sa mère. Oui, oui, ça c'est sa mère qui dit qu'elle est très très bonne. Elle est très très bonne en natation et tout. Ça, c'est quoi ça ? Oh, c'est quoi ça ? Plus ? Que voulez-vous de moi ? Ouais, il en manque une. Alors. Plus. Encore une pour faire un bouquet. Ouais. Bureau du shérif, rapport d'incident. Incident. Tapage, incendie. Auteur du rapport. 20h36, j'ai été appelé suite à un signalement de tapage non identifié sur la propriété, sur les lieux que j'ai découvert. Alors, Elve, Célène ou sa mère, Vamos, qui attendait dehors en fumant avec l'air bouleversé. Peut-être elle. J'étais trop ébranlé pour me dire ce qui s'est passé. Lorsque j'ai essayé d'entrer dans la propriété, j'ai vu des flammes à l'intérieur. J'ai considéré qu'entrer sans équipement, ni entraînement adéquat... ni entraînement adéquat était trop dangereux, était trop dangereux et j'ai donc contacté les pompiers immédiatement. Oui, bah, de toute façon, honnêtement, il n'y a pas à évaluer le truc, hein. Tu vois du feu, t'appelles les pompiers en premier, hein. C'est, honnêtement, c'est ça à faire, hein. Tu vas pas te dire est-ce que j'y vais ou pas, quoi. Alors, bon, Madame Vamos était dans un état de choc et ne répondit pas aux questions, essayant de déterminer si elle était seule dans la propriété. Et elle fut emmenée à l'hôpital du comté pour être examinée et potentiellement soignée. Ah. Oh, pardon. Le prix de la liberté. Elle a foutu le feu à la maison et sa mère, elle était dedans, je suis sûr. Du coup. Parce que, au début, je pensais qu'elle a balancé le haut des escaliers, parce qu'on a, à chaque fois, on voyait toujours les mêmes choses avec, genre, escalier, chaise... Oh, chaise roulante, bah tiens. Parlant de ça. Aucun sourire. Elle parle aucun de... encouragement. Elle parle de sa mère, ça. Des besoins. Sans...
Donc... Ou alors peut-être qu'elle l'a... Ah oui, non, elle a tout simplement pu la balancer le haut des escaliers. Hein. On peut toujours garder cette... cette possibilité, parce qu'il nous montre beaucoup de ça à chaque fois. Ouais, ça, on l'avait vu. On l'avait vu. Attends, je regarde juste pour être sûr. Et après, elle a foutu le feu à la maison. Peut-être. Et elle a foutu le feu à la maison. Pour couvrir ses traces. Ça peut être... ça peut être une idée aussi. Puis après, qu'est-ce qu'elle aurait pu faire? Genre, et après, je sais pas, elle rentrait avec son enfant de... Je reviendrai bientôt. Et je... ferai mieux. Et elle rentrait avec son enfant et elle a eu l'accident. Je sais pas. Il y a plein de petits points noirs et j'ai en fait, j'ai honnêtement bien peur qu'on n'ait pas de réponse à toutes ces petites questions et qu'on ait en fait une idée grosso modo de ce qui s'est passé, mais pas de vraies réponses. Ça me fait un peu chier honnêtement. Ça me fait un tout petit peu chier. Mais ouais, je sens que ça va être ça. J'ai vu des sites, parce que bien sûr, je... Vu que Google nous écoute hein, tout le temps. J'ai vu des sites qui m'ont été recommandés, du coup, qui parlaient de Returnal. Il y a des sites qui mettent des titres de merde. Enfin, j'en sais rien s'ils font exprès ou pas, mais... Genre... ouais, j'ai rien compris à l'histoire, ça a aucun sens, des trucs comme ça. C'est... Non, c'est débile de dire ça, quoi. Il y a une histoire, elle est compréhensible. Il suffit d'écouter. D'imaginer un peu. Dis-moi, les machins, ils sont pas un peu vénères, là? Ou c'est... j'ai vraiment un rôle de merde sur mon arme. Et je fais zéro dégâts. C'est quand même violent là le temps que je mets. C'est la salle 4 quoi. Oh waouh, bien joué. Bien joué. Mais pourquoi j'ai... Ah mais c'est toi qui me fais chier. D'accord, c'est toi qui foutais des lasers en cercle derrière moi depuis tout à l'heure. Ok. Bien joué. Fais chier. Oula, c'est quoi ce... Quoi ce cercle qui... Mais c'est chelou. Non, il y a des trucs en haut.
Putain de toi. Pas grave. Oh mon dieu. S'il est bien ce laver. Ah ouais non mais là on joue très mal. Non mais je... J'arrive pas à augmenter mon... Évidemment. J'avais plus mon dash. Oh là là. Fait de la merde, c'est ouf. Ah, je crois qu'on va souffrir hein, pour récupérer le dernier coquelicot. Je crois qu'on va légèrement souffrir. Attends, il y avait un truc nouveau dessus. Bonus collant. Les projectiles accrochés infligent plus de dégâts en explosant. Sympa. Ça passe pas à travers. Quel, on n'a pas de clé. En récupérer une maintenant. Alors, toi, t'es... Plus d'obélite ou plus de résine? On va prendre obélite et on va le vendre. Et on va faire ça. Maintenant, on a une clé. On va prendre ça. Non. J'ai pas regardé combien on mettait par cycle pour trouver un coquelicot, genre quoi. 30 minutes? Moins de 30 minutes, hein, je crois. Ah oh, évidemment le glyphe il est au centre, mais oh là là, c'était ouf.
dégâts. Parfait. C'est quoi ce truc vert? Ah, c'est du soin. Deux emplacements ou alors un bouclier. On va prendre ça. Encore une clé, cool. Oh, j'ai mal à la main. Ouh là là. C'est un pistolet? Non, ça va. Tourner la souris, ça m'a fait mal. La vieillesse. Ok, boss. Le lanceur thermo. Ah oui, ça risque de faire très mal, ça. Après, ce qui est marrant, c'est que tout le thème, on pourrait penser à son invalidité, vu qu'elle a une blessure à la colonne. Genre le dysfonctionnement dans le jeu, la mécanique de dysfonctionnement, peut-être ça vient aussi de là. Il y a plein de trucs comme ça, en fait, c'est ça qui peut être marrant. Pas marrant dans le sens où c'est intéressant. Alors, ramasser une résine, confère un bouclier, on va faire ça... de dégâts. On va prendre le soin par contre. Donc ça c'est cool en fait. C'est vrai que tout peut être lié en fait à son... Enfin à tout ce qu'elle subit quoi. J'aurais tellement voulu qu'il y ait des reliques ou quelque chose pour augmenter les enchaînements de l'épée. Ça aurait pu être tellement bien. Voilà, le déchiqueteur. Non. Le nombre de résines nécessaires pour améliorer. Voilà, on va prendre ça. Bon, en théorie, on devrait trouver le coquelicot dans pas très longtemps. Va te bien te faire mettre, toi. Parfait, parce que c'est la merde. Ouais, parfait parce que c'est vraiment
Le bordel. Ah, c'est bien quand on revient comme ça, c'est vachement cool. À chaque fois que j'utilise une arme spéciale là, je crois que j'ai quasiment tout le temps des succès. Je sais pas combien il y en a des succès avec, avec les armes. Spécial là, mais c'est un peu abusé. Oh, attends, pourquoi j'ai un. Bon, c'est pas grave, parce que de toute façon, je voulais changer parce que c'était un peu de la merde notre arme. Enfin, cette variante, c'était un peu pourri. On va prendre ça parce que j'ai pas de vie. Oh, le coquelicot là. Je le sens mal, moi. Bravo. Ah si, non, je l'ai touché. Ah, c'est quoi ça? J'ai entièrement recouvert ma combinaison de peau issue de la tour. Quoi? Contamination irréversible, selon les règles de reconnaissance. Quelle blague. Je suis magnifique avec cette peau. Je suis digne de l'ascension. J'accepte ce tourment, cette souffrance. En montant, je transcende ma condition. Qu'est-ce que tu veux dire par ta condition ? Merde, mais quel débile ! Oh là là, j'en ai marre d'être con. On a loupé un truc, c'est pas grave. J'avoue que je vais peut-être un peu trop vite là, j'ai peur de faire de la merde. Dysfonctionnement de combinaison. On a un dysfonctionnement de combinaison. Oh là là. Des merdes.
On est bas en vie. Dis-moi que c'est là. Non, c'est pas là. Je vais augmenter l'intégralité pour nous soigner. Ah, il faut que je tue en mêlée, c'est vrai, merde. J'ai oublié. Bon, la vie, c'est reparti. Nickel. Ça fait des bonnes AOE hein, quand même. Pas mal. Hein. Elle est où la tour? Elle est là-bas. Oh la vache. Bien. Ce qui est bien, c'est que ça c'est gros. Et genre coller, ça fait plus de dégâts, donc du coup c'est facile à coller. On a quoi là-bas? C'est quoi ça? Ah, anti-tourelle. Mais c'est de la merde. Ah, j'ai pas envie de prendre le reste, honnêtement. Ouais, non, j'ai vraiment pas envie de prendre le reste. Automatique 3. Ah, ça peut être vachement bien. Mais bon, faut le débloquer. D'où tu... Je veux même pas questionner. Bon, il est où mon coquelicot? Parce que là...
lapin. Les deux, c'est de la merde. Répare, on empêche le dysfonctionnement. Oui, mais ça marche pas sur les permanents. On va prendre ça. La merde. Perdu de la protection. Ouais, non, par contre, je voudrais bien mon dernier coquelicot. Hein. C'est quoi coquelicot en anglais? J'ai envie d'aller voir une soluce, moi. on va là. On pourrait peut-être aller pendre plutôt... Oh le vache. Bah ouais. On n'a pas beaucoup de maîtrise en fait. Enfin, on va dire que on met un peu plus de temps que d'habitude pour la maîtrise. Et dis-moi, on a un truc un peu de merde. Quoique. Ouais, l'arme spéciale, c'est un gros tir, ouais. Ouais, c'est pas mal. Enfin, c'est... Ouais. Ça change. Donc là, deuxième boss. Ah là 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 là. Merde. C'est vrai qu'il fait très mal. Hein. Mal joué. Là, c'était très mal joué. Ouh, la vache. Le mouvement que... Et il est là. 6. 6 surprises. Je veux pas retourner à l'hôpital. Le mouvement quand elle tombe par terre, je le trouve très très naturel et très bien fait. Ah, on est bon. On peut voir ce que ça donne ça. Oui, une relique du coup, c'est ça. Ah non, même pas. Une arme. Ok, c'est bon. On a tous les coquelicots. On est prêt. On est prêt pour être déçu. Moi, je pense que c'est surtout ça. On va être prêt pour être déçu. On n'a pas tous les glyphes, donc on peut pas tout lire. Ça aussi, c'est un peu embêtant. Ouais, hein. On peut s'en passer. Ah bah encore heureux que j'ai pas genre joué jusqu'à mourir à chaque fois. Hein. Parce que sinon, ça aurait pris genre 3 fois le temps, je pense.
Ok. Je suis prêt. Donne-moi ton histoire. Comme ça, j'aurais vraiment fini. Ouh, là, il y a des gens maintenant. Il n'y avait cette pas de gens. Pièce, je me demande. Il y avait pas de... toujours été comme ça. Non, non, il n'y avait pas de gens avant. Genre, pourquoi trois cadavres? Genre, sa mère, l'astronaute, son fils. Non, m'étonnerait quand même. Ça n'a pas changé. Oui, c'est là qu'elle était. Après l'accident, c'est là que ça a commencé. Les critiques, les jugements. Attends, on va avant, on va aller faire ça. Enfin, une offrande. Un cadeau. Ok. Un cadeau. Je ne savais pas quoi faire d'autre. Après, si c'est... Oh la vache, si c'est vraiment sa mère, je comprends pas pourquoi. Je t'ai apporté ça. Pourquoi elle a cette gueule aussi? C'est ouf. Ça vient du jardin. Tu disais que tu les aimais. C'est horrible. Ou alors c'est... Célène, en fait, elle la voit comme un monstre, sa mère. Ça ne nous est jamais arrivé. Tu refusais. Mère, tu le penses vraiment? Tu... Oh la vache! Putain! Retourne à l'ascension. Oui, ça c'est le nom du DLC, la tour Ascension. Je crois bien. Story by Harry Kruger et Gregory Loudon. Faut les trouver, ces deux-là, là. Merde. Font chier avec leur histoire pas finie. Font chier avec leur histoire pas finie. Genre, qu'est-ce que ça veut dire, du coup? C'est vraiment sa mère, du coup, qui était à l'hôpital? Et qu'est-ce que j'en tire, moi, de ça? Ça m'aide pas du tout, hein. Ça m'aide, mais alors pas du tout, hein. Le problème, en fait, je crois que avec l'histoire, là, ce qu'on a, parce que là, ça, c'est, je trouve... Genre, plus il nous en donne, et plus ça devient problématique, en fait. Je crois qu'il y a un problème entre... Il y a Célène, son fils, et l'accident. Et après, il y a le problème avec Célène et sa mère. Et les deux sont mélangés. Et c'est très chiant, en fait. Pour nous, en fait, quand on essaye de créer une histoire. C'est embêtant, ça. Ça, c'est très, très embêtant. Honnêtement, s'il n'y avait pas l'histoire de sa mère, ça irait bien. Mais là, parce que pour moi, que ça soit Célène, en fait, à l'hôpital, ça a 100% de sens, en fait. Genre, elle s'en est sortie. Puis en plus, à chaque fois, il cache le nom. Donc, on ne sait jamais si c'est Théa, je crois, le nom de sa mère, un truc comme ça. Ou alors Célène Vassos. On ne sait jamais si c'est l'un ou l'autre. Donc du coup, parce qu'ils disent qu'il y a eu un accident de voiture, genre le passager n'a pas été retrouvé, donc le fils n'a pas été retrouvé, elle est apparemment paralysée, elle ne peut plus utiliser ses jambes, sa colonne est abîmée. Et puis aussi, il y a le fait qu'il y a ça, je trouve que c'est intéressant, le fait que dans l'histoire, enfin dans le jeu on va dire, on récupère
des améliorations en fait, des améliorations pour les jambes, pour les bras, pour les pour tout en fait. Donc bon, c'est peut-être un peu genre ça va un peu ça, comment dire, ça va avec le fait qu'elle soit paralysée. Vous voyez, elle a des améliorations en fait dans son esprit. Mais bon, le truc c'est qu'apparemment, comme on a lu le papier, ça dit qu'elle va retourner chez elle. Genre ils disent qu'ils veulent la laisser retourner chez elle. Donc ça veut dire qu'elle est consciente. On est d'accord, ils vont pas renvoyer chez elle une personne qui est dans le coma. Parce que sinon ils auraient dit sa famille la reveut par exemple. Sa famille va s'en occuper et tout ça. Et puis même, je pense pas que vous pouvez renvoyer les gens dans le coma chez eux. Hein. Je crois pas que ça se fait. Hein. Je pense pas. Enfin bref. Donc du coup, pourquoi elle imagine tout ça là? La planète, la Apophos, pas Apollos, je sais pas quoi. Ah, ça m'énerve. Ça m'énerve. Étreinte vide, c'est mon succès. Non, apporte-lui. Ça a commencé comme ça. Pas d'étreinte, pas de regrets. Les reproches, les exigences. Ah, il y a un je truc. Je méritais mieux. Beaucoup mieux. Et elle aussi. Puis après, il y a aussi... Une seconde chance. Il y a le fait cette que... Cette close, je le sais. Bon, d'autres sont ouvertes. Ouais, mais genre quoi est ouvert? Nouvel journal de bord déverrouillé. Quoi? Nouvel journal de bord déverrouillé? Oh là là. Faut qu'on aille au vaisseau après. Je fais l'offrande, le don, un sacrifice du vivant pour le mort. Je me suis repenti devant l'autel, devant derrière le cri, un chant de rage, ressentiment encore. L'ascension, la chute, l'ascension, rampe entre les chars des ténèbres, chair des forts. Quoi. Aïe 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 aïe, tu me. Hein. Bon, vas-y, c'est quoi ça? Je pensais trouver la sûreté dans ses bras. Désirée, protégée, respectée. Je pensais recevoir tout ce que je n'avais jamais eu. Encore un mirage. Mmh. Aïe aïe aïe, tu m'embêtes, hein. Tu m'embêtes, Returnal. Qu'est-ce qu'on fait? On retourne dans le... dans l'hôpital? L'hôpital. Ah putain, on peut pas y aller. Bon, ce qu'on va faire, on va sortir. Ouais, je sais pas quoi en tirer. Honnêtement, ces derniers passages avec les coquelicots là, j'avais l'impression que j'arrivais vraiment à bien comprendre l'histoire et tout ça. J'avais plus de problèmes. Puis là, avec le coup et sa mère. Bah c'est fini là. Ah, ouais. Là je comprends plus rien du tout. Ah tiens, il n'y a plus le truc. D'ici, ça fout un peu les boules, en fait, quand on regarde à l'extérieur. Alors, là, d'abord... Enfer. Quand le cheval de bois s'ouvrit, il révélait la ville de Troie.
Alors, mort, maladie, famine, hurlement de douleur, se muait en hurlement de rage, car elle comprenait qu'elle n'était désormais rien de plus que mère. Les besoins étouffants et sans fin de Perséphone. Elle avait transformé la déesse Déméter, pardon, en réceptacle. Oh là là. Non, bah, je suis déçu. Je suis déçu. Je suis déçu. Je sais pas quoi dire. On va s'arrêter là. Hein. Bah, si jamais vous avez plus d'informations et tout sur l'histoire, est-ce qu'elle est censée être comme ça? Genre, est-ce qu'on a récupéré vraiment les gros morceaux? Mort englouti, rien, disséqué, morceau putréfié, l'autre. Quand les murs tumoraux s'ouvrent, quand les sols sont descamés. Il y a des mots que je connais même pas. Je peux voir les artères nocives sous sa peau torturée. Mais qui tient le scalpel? Je sais que vous écoutez, que voulez-vous? Ouais. Ben ouais, je suis un peu... ben un peu déçu. Je vais regarder s'il n'y a pas des entrées intéressantes là encore, mais... Journal de bord. Priorité. Équipage reconnaissant. Fils personne, Senet Vamos. Vassos, pardon. Chute de Narcisse. Non. Non, j'en sais rien. Non, je n'en sais rien. On va s'arrêter là. Ça va être la fin de Returnal pour moi. J'y ai assez joué. Mais ouais, tout petit peu déçu de comment ça font. Comment. Non, de l'histoire, ouais. Un peu déçu de l'histoire parce qu'on n'a pas de réelle fin. Bon, ça, d'accord. Mais surtout, c'est que plus on en sait, et plus ça devient une confusion totale, en fait. Et ça m'embête. Parce que j'étais. Honnêtement, j'avais une bonne idée de. Comment s'appelle l'histoire? Ah, regardez, c'est des cigarettes, ça. Smoking kills. Ouais, c'est des cigarettes. Et le journal disait qu'il y avait machin Vassos. Donc on ne sait pas si c'est la mère ou elle. Devant la maison qui était en train de brûler, pardon. Donc du coup, bah, c'est bien elle, parce que c'est elle qui fume. Il y a plein d'indices en plus. C'est quoi ça? The Abduction of Zeus. Ça, c'est encore ces bouquins sur... sur les dieux grecs. Ah, il y a énormément d'indices. Hein. C'est ça qui est cool hein, dans le jeu. Mais la fin avec la mère... honnêtement, si elle était pas là, je m'en porterais beaucoup mieux. Hein. Ah, il est là maintenant. Ok, je sais pas pourquoi il est là. Je m'en porterais nettement mieux en fait si la fin avec sa mère était pas là. Surtout qu'en plus c'est coupé avec le monstre bizarre là, avec les trois yeux là. Enfin le 4, qui est 4 points rouges. Donc du coup c'est chiant. Non, 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 t'as fini, Selene, c'est bon. Là, tu m'as frustré avec ton histoire, c'est bon, quoi.
Ah, c'est dans ce mode-là qu'il est dessous. Là, il n'y a pas de... y a pas de cigarette. Il n'y a pas de cigarette, il n'y a pas les livres. Plein de toiles d'araignée partout. Ah, ça, c'est marrant, ça aussi, l'intérieur qui change comme ça. C'est quoi ça? Héros de la destruction. Mais ouais, bon, on va s'arrêter là. Merci beaucoup d'avoir regardé. Un tout petit peu déçu sur la fin, comme j'ai dit. Parce que j'aurais bien voulu avoir ou des réponses ou alors vraiment quelque chose qui m'est... qui tient la route, parce que là, le coup de la mer, ça a foutu plus le bordel qu'autre chose dans ma tête, et j'aime pas. Donc voilà. Donc pour moi, résumé de l'histoire, pour moi, elle a eu donc son accident, elle avait une mère abusive, et donc elle a eu son accident, elle s'est retrouvée à... elle s'est retrouvée à l'hôpital. Elle a eu un grave accident, du coup elle a été gravement blessée aussi. Je dirais que pour moi elle est dans le coma et qu'elle invente tout ça, en fait c'est tout dans sa tête. Et genre Helios, c'est comme si c'était son fils, genre qu'elle a pas pu sauver dans la voiture. Après tous les monstres, la musique et tout ça, c'est Don't Fear the Reaper, qu'on a entendu parce qu'il y avait ça qui passait à ce moment-là à la radio en fait, quand elle a eu l'accident. Elle adore la mythologie grecque, donc elle en a, genre son subconscient, vu qu'elle est dans le coma, ben ça a créé des créatures et des trucs qui vont avec la mythologie grecque. Ouais, pour moi ça me va en fait cette histoire comme ça, c'est très bien. Et puis voilà, elle se torture parce qu'elle a fait des conneries aussi. Genre, elle a potentiellement tué sa mère parce qu'elle était abusive avec elle. Et elle n'a pas pu sauver son fils, donc elle s'en veut. Donc du coup, elle recrée des cycles comme ça, sans cesse, où elle se torture en fait l'esprit. Et puis voilà, quoi. C'est ça l'histoire. Pour moi, c'est ça l'histoire. Voilà. Et je trouve que c'est une bonne histoire, du coup. Voilà, comme ça, je trouve que c'est une bonne histoire. Je vais pas dire autre chose. Après, attendez, parce que est-ce que je vais faire un truc. Est-ce qu'on peut retourner, genre là, parce que là, on est dans la version. La version différente. Est-ce que ça change la tour ou pas? Parce que ça, j'ai jamais fait attention en fait. En tout cas, ça m'a changé le flingue. Ah oui, parce que ça m'a mis à zéro. Ouais, ouais. Ah, lol. Elle m'appelait 3 fois par jour après mon départ. Elle ne parlait jamais de mes études, de mes amis, de mes copains, de mes rêves. Chaque mot était une plainte. Elle s'ennuyait, elle avait mal. Elle était déçue. Toujours déçue. Sa main sur ma gorge, même à des centaines de kilomètres. Elle était seule. Elle avait peur. Mais elle aurait dû me libérer. Eh ben. Donc il y a des trucs différents. Putain, à chaque fois c'est au compte-goutte quand ils vous donnent des trucs, c'est une horreur quand même. Invisible. Inaudible. Avide d'avoir plus. C'est un enfant ça. L'enlèvement de ce qui était aimé. Une punition. Ou un sacrifice. Ça, je veux pas dire, mais on dirait que ça, c'est elle, en fait.
Et elle a quelque chose dans les mains, je sais pas quoi. Honnêtement, je sais pas ce que ça représente, la boule là. Ça, c'est son gosse. Et ça, c'est elle. Avec son octopus là. Le truc avec les tentacules là. Donc, c'est le jouet du gosse. Une chance d'être réparé. Ça c'est son casque. Ça c'est le gosse et ça serait sa mère. Enfin elle. La mère du gosse quoi, Célène. Un enfant qui a besoin d'une mère. Donc son fils serait en vie. Fauteuil roulant qui est tombé, donc ça signifie sa mère morte, en gros. Oh là là, tu me fais chier, Célène. Hein. Tu me fais chier, Célène. Hein. Là, ça commence vraiment à me casser les... Hein. Je vais être honnête. Et c'est là qu'il n'y a plus les coquelicots. Non, c'est bon. J'ai eu peur. Commence à me, hein, ça me commence à me courir sur le haricot. Hein. Allez, on retourne là-bas. On va voir encore une dernière fois et après on arrête pour de vrai. Et je retire ce jeu de mon cerveau. Ça m'intrigue cette histoire de, ah là là, ça m'intrigue tellement, mais je crois qu'on ne récupérera pas assez d'informations en fait. Ah, il y a un corps de plus. Il n'y avait pas celui-là avant. Mais il y en a plus. Ouais, même celui-là, il n'y avait pas. Je suis sûr qu'il n'y avait que 3 corps. Oh, il y a un truc, là. Ah, il y a encore des trucs nouveaux. Oh, la vache. Rapport de l'autopsie. Alors, adresse. Personne décédée. Je l'avais dit. Alors, c'est que féminin, docteur, dossier, date, heure, 8h36 pour le condosso, cause du décès, effet combiné de, avec encéphalopathie traumatique, type de mort, signe, docteur. Ah, merde. Putain, on peut pas savoir. C'est quoi, avec encéphalopathie traumatique, c'est quoi ça? Encéphalopathie traumatique. Désolé, mais je vais regarder. Encéphalopathie traumatique. À moi, faire des recherches comme ça à 2h30 du matin. L'encéphalopathie traumatique chronique. Forme d'infection cérébrale progressant vers les maladies neurodégénératives. Habituellement diagnostiquée post-mortem. Après une pratique sportive prolongée, émaillée de nombreuses commotions cérébrales. Elle a balancé dans les escaliers. Ouais, je suis sûr que c'est ça en fait. Je suis sûr que c'est ça. Ah, il y a plus à elle. Il y a plus son truc à elle. Célène, il est tellement compliqué ton putain de cerveau. Ah. Genre Helios, le fils.
Ah, et vous imaginez si sa mère avait et préféré son fils à elle? Ça aussi, ça aurait pu lui taper sur la tête à Selene. Hein. Thea and her only child. Third generation. Il y a le livre. Il y avait écrit c'est le nom de la mère. Alors, délabré, lié, ligoté, seulement autorisé à les regarder, si libre, mais ignorant qu'ils sont libres, ignorant que j'observe, incapable de me voir. Chaque jour, mes chaînes se resserrent, elles limitent, elles interdisent, elles punissent au moindre péché. J'ai voulu m'élancer, mais je suis tombé, je tombe toujours plus loin, plus bas, jusqu'au lieu sous tous les autres lieux, que la terre froide se déverse dans ma gorge et ferme mes yeux pour que je n'ai plus à regarder. Putain, c'est quoi ce bordel? La libération. Papillon collection. Thea and her only child. Donc Thea est son enfant unique. Troisième génération. Il y en a partout de ces trucs. Donc là on voit, je sais pas, une mère et son fils, sa fille. Ah, cosmonaute qui tombe. 3 milliards d'indices, c'est très compliqué de les mettre ensemble. Ah, a baby is never a burden. Genre un enfant n'est jamais un poids, en gros c'est ça. Surtout que elle avait dit que c'était compliqué pour elle. D'élever son enfant seul. Ah, attends. Ah, mais c'est là maintenant ça. Il n'y a rien de nouveau de toute façon. Traité blessure grave à Converhub aussi, grande forestier n'a toujours pas retrouvé son enfant disparu. Ouais, non. Non, ça, c'est bon. Je regarde s'il n'y a pas d'autres indices, mais je crois qu'on a tout. Ah! C'est pas pareil. Il n'y avait pas ça avant. Je suis quasiment certain qu'il n'y avait pas cette figure avant. Enfin, en tout cas, il n'y avait pas déjà ce tableau. On peut zoomer comme ça. Ah, c'est comme dans PT en fait. J'avais jamais fait attention. Je me demande si ça déclenche des trucs. J'espère pas parce que putain. PT, c'était une horreur de faire ça partout. Ouais, non, je crois qu'il n'y a rien d'autre. Ah, ça me stresse de l'entendre respirer là comme ça. Escape suffering. Your pain can end. Oh! Ah, mais on connaît ça. C'est juste à des endroits différents. Ouais. Putain, j'ai peur de me retourner, de voir genre une créature dans ma gueule. C'est une putain d'oppression là d'un coup à chaque fois. J'aime pas du tout. Avec leur bruit et tout ça. Bon, bon, on se casse. Ouais, j'aime pas du tout. Ça me stresse tout ça. Allez, on se casse.
Oh la vache, ce bruitage. Ouais. Eh ben on va s'arrêter là. On va s'arrêter là. Pour de vrai. J'arrête de chercher, de creuser parce que là ça va me rendre fou. Non, non, on va arrêter de chercher parce qu'à chaque fois ils vous donnent des trucs. Je suis sûr que là, si on y retourne, on a un truc. Putain, j'ai dit que j'arrêtais de le faire. J'ai dit que j'arrêtais de le faire et je le fais encore. M'étonnerait quand même qu'il y ait un truc parce que là, ça va me faire devenir chèvre. Non, y a rien. Non, c'est mort. Ouais, non, non, on a fini. On a fini. On va s'arrêter là. Donc, c'était Returnal. On a élucidé le mystère, honnêtement. Il y a que cette créature, je sais pas ce qu'elle représente, en fait. Je sais pas ce que ça représente, ces trois points rouges comme ça, là. Mais bon, bah, c'était une bonne histoire, au final. Mais bon, il y a quand même des trous dans l'histoire. Elle n'est pas parfaite. Surtout qu'elle n'est pas expliquée. Donc du coup, c'est un peu compliqué de lier les points. C'est un peu à la limite à la Dark Souls, où il n'y a personne qui vous explique, mais vous êtes obligé de regarder le monde et tout ça, à la limite. C'est un peu le même système. Mais ouais. En tout cas, on va s'arrêter pour... Returnal, c'est bon, j'ai tout fait. Je vais pas récupérer genre les derniers cubes qui me manquent, c'est chiant. Je vais pas faire les trucs à augmenter là. Pour le reste, non, ça va être une horreur. Pareil pour les armes. Mais voilà, on a les coquelicots, on a les fragments, on a tous les objets. Donc c'est nickel. On est bon. On a vraiment fait énormément de choses. Et ça sera la fin. Merci beaucoup d'avoir regardé. À la prochaine. Portez-vous bien. Et à plus avec un autre jeu, sûrement. Ciao, ciao.